Coucou. La crypto-tête du projet Tectum se distingue par deux aspects fondamentaux. Le réseau Tectum. Le TED fonctionne sur le réseau Tectum qui utilise le grand livre distribué pour enregistrer les transactions. Ce réseau emploie un algorithme de hachage proof of utility pour la confirmation des transactions. Il est capable de gérer plus d'1 million de transactions par seconde et fournit des mises à jour instantanées sur le réseau des événements et la propriété à travers le réseau. Tectum stocke les hachages mappés aux données originales stockées à un niveau inférieur, isolant ainsi les données lourdes liées aux transactions du pipeline principal. Le jeton TET est conçu pour l'échange de produits Tectum avec une offre maximale de 10 millions. Il est nécessaire pour frapper de nombreux soft nodes qui sont des contrats intelligents agissant comme les boîtes de verrouillage numérique pouvant contenir de la valeur, comme BTC, TRX, USDT. Les soft nodes circulent instantanément et gratuitement sur le réseau Tectum et peuvent être utilisés pour des achats et de détails instantanés, à l'instar de l'argent liquide ou des cartes bancaires. Ces caractéristiques positionnent le TET et le réseau Tectum comme une plateforme innovante axée sur la rapidité et l'efficacité des transactions ainsi que sur l'utilité dans le commerce de détail et d'autres applications. En ce qui concerne sa valorisation, elle est actuellement valorisée à un peu moins de 50 millions de dollars début décembre 2023 et la moitié des jetons sont émis. Il est présent sur qu'une seule plateforme principale. Centralisé qui est Mexé, mais il est possible de l'acheter via les DEX sur Ethereum. Il y a vu la faible valorisation, comme il s'agit d'une sorte de layer 2 de Bitcoin, il peut y avoir vraiment un potentiel intéressant à jouer comme les Ordinals. Donc c'est vraiment un projet que je suis de près depuis peu. À voir s'il y a un bull run ou pas à venir, mais en tout cas, ce projet-là ne sera pas laissé de côté.